en WWE. Quand je les avais appelés pour les encourager, j'ai trouvé des jeunes responsables, conscients des enjeux, et qui m'ont promis d'être sur le terrain en souci du Mali, du port du Mali, sur les chantiers de l'honneur, et au firmament de cette compétition africaine. Ils ont réussi. C'est eux que l'on doit féliciter. Et c'est l'occasion pour dire que nous avons tous devoir et mission à faire en sorte que notre football désormais sorte des limbes, des querelles intestines qui ne sont pas porteuses et qui ne valent rien du tout. Et personne au-dessus de ces jeunes-là et de leur avenir, et personne n'a le droit, par un biais ou un autre, d'entraver le parcours heureux de ces jeunes gens-là. En tout cas, je ne permettrai pas. Et là, maintenant, c'est un domaine que nous allons suivre de très près, et pour que vraiment le chemin soit balisé pour un avenir le plus brillant possible auquel ils ont droit. Et quel également est destiné notre football. Quand on a des jeunes gens qui arrivent à ce haut niveau de performance, on a le devoir de faire en sorte qu'ils aient un environnement sain, porteur, un environnement dénué de toutes ces mesquineries et de tous ces calculs qui maintiennent le football malien dans des voies douteuses, dans des voies peu porteuses. Non. Dorénavant, je crois qu'on y verra avec beaucoup d'attention pour que tout soit mis en œuvre pour le plus grand soutien à ce football malien et au sport malien de manière générale. Les lieux de compétition, il nous en faudra encore davantage. D'autres seront également créés pour que vraiment ces jeunes gens-là continuent de porter le Mali au firmament des nations. Et je pense que leur avenir également sur le plan de la formation et de l'éducation ne sera pas oublié. Je pense que la formule « un esprit sain dans un corps sain » n'a jamais été aussi heureuse, même si ça n'a incorporé ça non. Donc leur formation à tous les niveaux, également, c'est l'objet de nos soucis. Ils ont fait un grand honneur au Mali. Ils ont porté le Mali très haut, au firmament des nations africaines, en matière sportive. Chacun sait maintenant la place du football dans la vie des nations. Gianni Infantino est venu à Addis Abeba et nous a dit cela de la plus belle des façons. Et qu'aujourd'hui, moins de deux semaines après le sommet d'Addis Abeba, notre nation se trouve à ce niveau de qualification, est un grand bonheur. Et aujourd'hui, le fanion des équipes de football a remplacé le drapeau sur le champ de bataille. Et d'ailleurs, pour la symbolique, quand on joue les hymnes nationaux, ce n'est pas pour rien. Et je suis très heureux de voir que nos jeunes gens ont réagi à cela, la main sur le cœur. L'hymne national, c'est le Mali. Et chacun de nous devrait avoir cela. Quand l'hymne se joue, voilà. Et ils l'ont fait, de la plus belle des façons également. Et ils ne l'ont pas fait pour le décorum, ils l'ont fait, ils l'ont prouvé sur le terrain. Parce qu'ils ont honoré le Mali, les couleurs du Mali. C'est cela, être malien. Avoir le Mali au cœur, avoir le Mali dans la tête, avoir le Mali à tout instant de sa vie. Et pour le meilleur. Et c'était le cas aujourd'hui.